Ayant grandi à Clichy, à l'époque justement du Clichy que je connaissais, dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui faisaient des activités sportives, notamment mon ami qui faisait du basket. Moi, j'ai fait de la danse avec d'autres copines. Il y avait énormément de structures, il y avait énormément de projets pour les jeunes à l'époque, des associations. On avait des maisons de quartier dans chaque quartier qui nous permettaient justement d'aller faire de la danse tel jour dans telle maison de quartier. C'était ouvert aux jeunes. Ça évite aussi que les jeunes, enfin, qui se retrouvent un petit peu égarés, qui ne savent pas trop où aller. Donc du coup ils se retrouvent un peu dans les rues. Malheureusement, ça c'est dû au fait qu'il n'y ait plus de maisons de quartier. Pendant le mandat de Museau, malheureusement, il a fermé toutes les maisons de quartier. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont de la nouvelle génération qui arrivent, du coup sont mécontents. On cherche à sensibiliser les jeunes, surtout les nouvelles générations qui arrivent, parce qu'à l'époque du mandat, les 5 ans qui sont passés où les maisons de quartier ont été fermées, où les associations ont été fermées, où il n'y avait vraiment plus rien pour les jeunes à Clichy. Grosse majorité de jeunes à Clichy qui n'ont plus rien, qui n'ont plus aucune structure, qui ont la possibilité de voter et qui ont cette envie d'avoir des choses pour eux. Donc on vous demande vraiment sincèrement, faut vous lever, ça prend 5 minutes de voter. Il faut que vous retrouviez. Nous, on veut retrouver Clichy d'avant et on veut que vous puissiez savoir ce qu'on a vécu. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui, on veut vraiment que vous connaissiez aussi Clichy qu'on a connu et que voilà, vous puissiez avoir des choses pour vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des activités. C'est pas des promesses en l'air. Il a vraiment l'intention de faire ça. Lui aussi, Paul Rieusset a vraiment vu aussi la différence de changement. Il est là depuis 25 ans, donc il est vraiment impliqué. Il a la même envie que nous. Et voilà, donc moi je suis vraiment surtout proche de sensibiliser les jeunes. Je suis surtout proche de ce programme-là en fait.